Et pour finir, du super motard avec la renaissance cette année du championnat de France de cette discipline si spectaculaire. Des courses très animées avec un plateau conséquent, une organisation rigoureuse, orchestrée par quelques bonnes volontés, et le super motard a retrouvé sa vitesse de croisière. Les amateurs de glisse et de freinage en travers ne s'en plaindront pas. Évidemment, l'an prochain, ce championnat recommence. Gilles Salvador et Boris Chambon remettront leur titre en jeu. On aura donc plaisir à vous le montrer tout au long de la saison, parce que des images comme celle-là, on en redemande. We'll be right back.